Et coucou, c'est les successeurs. On va parler aujourd'hui donc de Descendants 3, qui sortira en DVD qu'en octobre. Alors on l'a vu de façon pas très légale, mais bon, c'est quelque chose qui est sorti à la télévision, donc voilà, de toute façon... Vous pouvez le trouver sur internet. On a donc, déjà donné nos avis sur les deux autres. Et c'est parce qu'on n'est pas nombreux à parler de Descendants. Donc voilà. On en profite avant de commencer à parler de la vidéo. La vidéo de la semaine dernière de Taram était, on l'avait préparée depuis très longtemps. Et on est content de vos retours parce qu'on pensait qu'on serait massacrés. Oui, c'est ça. Mais en fait non, vous avez été très, très indulgents finalement, donc on est super contents que ça vous plaise. Voilà. Et pour faire une belle transition, dans Descendants 3, pour ceux qui l'ont remarqué, on est quasi sûr d'avoir vu le chaudron magique quelque part. Oui, alors, c'est vrai. Vous nous direz dans les commentaires si c'est le cas. Donc alors, on va pas reparler de Descendants 1 et 2, peut-être par petite vague, mais on se doutait que le 3 allait être le dernier parce que les acteurs commençaient à plus avoir l'âge d'être au collège ou au lycée. Ouais, ils sont censés avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Oui, maintenant, les films se sont faits en 5 ou 6 ans, ça y est, 2015, 2017 et 2019, donc il fallait bien que ça se fasse. Et en sachant que c'est des téléfilms, je trouve que ça a été très long. C'est vrai. Finalement, on se dit pourquoi ? Parce que le budget est peut-être pas énorme. Et pourtant, je pense qu'il est un peu plus élevé que certains autres films Disney Channel parce qu'il a quand même des effets spéciaux, mais c'est sûr que le budget reste limité. Et ça se voit par rapport à tous les effets spéciaux. Mais ça dérange pas et on éprouve une grande sympathie envers ces films parce que c'est très rigolo. C'est distrayant, voilà, celui-ci est vrai, drôle, émouvant, il est très, très bien, enfin très sympa à regarder. J'ai regardé plus facilement parce qu'il va très vite au début, je me suis dit ça va trop vite, peut être un défaut, mais non, parce qu'en fait, alors oui, dans un film que tu aurais été voir au cinéma, ce serait pas possible que des choses s'enchaînent aussi vite. Il y a des choses, c'est pas cohérent. Mais au moins, on s'ennuie pas. Voilà. Là, non, il y a de l'action tout le temps. Ça bouge tout le temps. Les musiques m'ont moins marqué que ça dans chante le souvent. Ah oui, là, ça chante. Là, on s'est amusé à chaque fois. Ah là là. Ah, ça va chanter. On spoilera un peu après, mais sinon, le film en général suit très bien la suite. Il se passe exactement ce qu'on pensait qui allait se passer. Sans spoiler trop la fin, c'est une happy ending comme tout le monde peut s'attendre. On va pas donner de détails, mais c'est l'happy ending de l'happy ending. Donc voilà, donc on va spoiler maintenant, parce que sinon on peut pas aller très loin. Hein. Donc tout ce qu'on pensait qui allait se passer, c'est passé. Vous pouvez aller voir les avis d'avant, que Uma reviendrait, qu'elle serait amie, c'était avec obligé. Mal. Et que la question qui allait se poser, c'était les méchants, les gentils, comment ça allait se passer par la suite, notamment avec les enfants que du coup ils devaient aller récupérer sur l'île, je sais même plus le nom. L'île de l'oubli. Et au final, pour dire, là ça va à la fois parler, je vais continuer et en même temps souligner pour moi le seul gros problème de Descendants en général, en faisant abstraction de tout ce qui fait que c'est un téléfilm, attention, c'est le fait qu'il y ait beaucoup trop de personnages. Qui va y mettre en avant. Par exemple, il y a 4 nouveaux enfants. Et finalement, les deux jumeaux de Monsieur Mouche. Célia, Java, la fille de Facilier, et Java, la fille de Javotte. Et au final, ils ne servent à rien. Voilà, on les voit pas. C'est Célia qu'on voit le plus. En fait. On la voit et encore, elle sert à aller chercher une clé, mais sérieusement, pour moi, c'est la même raison pour laquelle les gens mettent Olaf en avant, le fait qu'il est sauf. Ces enfants de méchants, ils servent pas à grand chose, quoi. Célia a eu un petit rôle à jouer. Un petit rôle, mais voilà, sans mais plus. Mais Java, je pensais plus quand on la voit dans le 2. Non, j'ai pas. Ouais. J'ai pas trop. Bon, ça, c'est pas grave. C'est un petit détail, mais. Ça rajoute des personnages qui nous paraîtraient importants. C'est vrai qu'il y a beaucoup finalement de personnages. Et que des fois, pour s'y retrouver, entre guillemets, c'est un peu compliqué. Sans compter des personnages qui disparaissent, des personnages qui reviennent, comme la fille à Audrey qui revient, la fille à Mulan qui a disparu. Oui. Alors qu'elle devait être plus ou moins en couple avec le fils à Jafar. Ouais. Donc. C'est vrai. Mais c'est qu'il y a trop. En même temps, je comprends, il y a trop de personnages. Je pensais que Hadès allait avoir une importance beaucoup plus grande. Au final, il sert vraiment pas à grand chose. Non. Vous allez nous dire, oh, il sert à ressusciter Audrey, il donne le truc, mais non. C'est pas impactant, je suis désolée, c'est pas impactant. À part que c'est le père de Mal et que ça, c'était quand même une surprise. C'était une surprise pour ceux qui n'avaient pas vu les teasers moi j'avais rien vu, moi, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui, c'est sûr, ça a montré, ça explique toujours pas où est passé Maléfique. Voilà, déjà, il y a des petites
problématique qu'on même qu'on se pose. Bah les quatre parents. Les quatre parents des quatre acteurs principaux, pardon. Excuse-moi, je te coupe. Non mais t'as raison. Et moi ce que je trouve bizarre aussi c'est qu'on voit vraiment pas finalement d'adultes méchants. On en voit très peu. Monsieur Mouche pour moi c'est pas un méchant déjà. On l'a vu. Il y a Lady Tremaine par contre, ils ont pas mis Javotte. Voilà. Mais ils ont mis Lady Tremaine. On voit grand-mère à Audrey. Voilà. C'est tout. Non, pas Audrey. Si, on voit la grand-mère Audrey, on voit pas Aurore. On voit la grand-mère Audrey. Mais on voit du coup la reine qu'on voit au début de la Belle Bois dormant en fait. Donc je sais pas ce qu'ils ont voulu. Je comprends pas trop. Ouais, moi j'aurais bien aimé qu'on voit Cruella. Pourquoi ils ont pas. Après vous allez nous dire, ouais, c'est les acteurs. Ils ont peut-être pas réussi à les avoir, bon. Mais pourquoi pas en mettre plus quand on est sur le Auradon, chez les gentils. Ouais. On voit que des ados. Ouais. On voit quelques gardes. Ouais, on voit le roi et la reine. La belle et la bête. La bête, quoi, mais après. La marraine de la bonne fée. Oui, voilà, qui dit tout le temps Bibidi, Bobidi, au cas où on oublie qui c'est. Ça, par contre, celle-là, on sait bien qui c'est. Et pareil, ça, on l'a dit quand on a parlé de Descendants 2, mais je le répète, ça m'énerve que quand les personnages, pour les présenter, c'est directement j'ai choisi la fille à fastidier. Pourquoi tu dis pas j'ai choisi Célia et après qu'elle le dise, qu'elle le fasse remarquer, c'est. C'est plus naturel, là, c'est une drôle de façon de les présenter, en fait. Après, il faut pas oublier que c'est des films pour enfants, sans pseudo Mangalore s'il verrait ça, mais c'est vrai qu'on est obligé de le prendre en compte, qu'il faut que ce soit très facile d'accès, quand même. Oui. Après, pour aller sur les personnages, je préfère la coiffure de mâle dans celui-là, parce que ça fait moins perruque au carré que dans le 2. Ça fait moins faux comme couleur, en voilà. Plus. Limite, enfin, on voit les racines, non, si, on voit que c'est une couleur, mais oui. L'autre, ça faisait... délavé quand même, ça faisait, elle avait pris la pluie. Bah, le violet était pas beau, ouais, alors qu'elle venait de se la faire faire. Ouais. Non, là le violet est pas beau. Et là, la transition, elle a d'abord les cheveux violets, après elle les a bleus, parce qu'elle se rapproche de son père, tout ça. Il y a les cheveux bleus. Donc c'est sympa. Après, les musiques sont sympas. Elles sont sympas, mais comme ça, il faudrait que je les réécoute. Ouais, moi aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, elles m'ont moins marqué que le 2. Ouais. C'est dans le 2 où les musiques, je les aime pratiquement toutes. Ça m'arrive de les écouter dans une playlist. Je les aime pratiquement toutes. Là, je les aime bien. Quand c'est du prince. Il y en a deux. Ouais. Il y en avait deux. Toujours inutile. Hein. Il y en avait deux, trois passages là quand même. C'était. Oui, c'est drôle. Oui, c'est vrai. Ça ressemble à rien. On a beaucoup rigolé. Il y a un moment, il y a Audrey, la fille de Aurore, qui se met à slammer avec maman et tout le monde. Ah oui, et la chanson ridicule, mais à mourir de rire, quand Evie montre ses sentiments. Son amour à, au fils à Simplé, j'ai oublié son nom. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Juste un baiser, derrière t'as Uma et Emma. Un baiser. Non mais c'est mort de rire. Elle passe dans toutes les positions, un baiser. Un chapeau. Un baiser. C'est dans la chanson où elles se battent aussi, où tu m'as dit la tournure de la fin des notes, ça faisait trop Britney Spears. Mais oui, moi j'ai l'impression d'entendre Britney Spears chanter. Mais quand c'est mal, que quand c'est mal qui chante. Oui, mais quand c'était Uma, et Evie, ouais, ça passe. Et puis l'autre aussi, c'est quand ils se sont fait transformer en pierre et qu'elle se rend compte mal qu'elle est toute seule dans la forêt. Ah oui. Elle part en délire et tout. C'est vers la fin, ça va trop vite. Oh là là, tous ses amis se transforment en pierre, elle part en chantant. Elle va cueillir des champignons et elle part dans la forêt. Et en un seul coup, elle se retourne, la méchante est. Enfin, pas face à elle, mais en haut d'une tour et directement elle se change en train. Ça va très vite, ça s'enchaîne très très vite. Après, comme je dis, c'est pas grave, ça me dérange pas parce que voilà, c'est un téléfilm. Mais c'est vrai que c'était trop d'informations. Petite notion à Audrey qui voit tout ce qui se passe dans le sceptre de magnifique. Oui. Oh. Elle arrache tout ce qu'elle peut. Ah, j'ai adoré. Non, si, il y a des passages bien rigolos. Non, c'est vraiment rigolo. J'ai pas vu les deux premiers depuis longtemps. Bah, le 2, j'ai vu qu'avec toi, la dernière fois qu'on a fait la vidéo. Ouais, ouais, et le 1, pareil, on l'avait vu quand. Enfin, moi, je l'avais pas regardé. Mais celui-là est très drôle et il est plein d'incohérences, on va en parler très vite. Comme ça, je les trouve. Enfin, je vais pas dire que je l'ai préféré aux deux autres, mais. J'ai pas de préférence, moi je trouve qu'ils s'enchaînent bien les trois. Ouais, voilà. Pour le coup, il y en a aucun qui rabaisse. On pensait que le 2 allait rabaisser le poids. Eh ben non. Non, je trouve que c'est. C'est ça qui est bien dans les télé. C'est sympa, ça se regarde bien. Parce qu'ils prennent pas de risques. Ouais, voilà. Et donc, pour venir au fait que par rapport à l'happy ending, il n'y a pas de mort, on s'en doute qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de méchant. Les méchants sont. Bah finalement ils sont gentils. Et ce qui vient à la plus grosse incohérence, c'est qu'ils se posent toute la question tout le long du film, est-ce qu'on va laisser les méchants sortir ou pas, enfin les enfants des méchants. Mais au final, à la fin, ils ouvrent l'île, ça veut dire que tous les méchants peuvent sortir. Ça veut dire que même les adultes peuvent sortir, donc s'il y a un adulte qui a envie de venir foutre la merde. Et on trouve que c'est pas logique, vous êtes tous d'accord avec nous. C'est incohérent quoi. Hadès, c'est censé être un dieu alors qu'il a besoin
d'ambre. J'ai pas compris pourquoi ils ont joué à ça. Bah ouais, il a besoin d'ambre. Pour utiliser ses pouvoirs. Alors c'est de l'ambre, normalement l'ambre c'est plus... Normalement c'est une couleur orangée, là il est bleu. Enfin, bon, je sais pas s'il y a différentes couleurs d'ambre, mais... Je pense qu'ils ont juste voulu intégrer un... Enfin, le père a mal pour gagner quelque chose à quoi se rapprocher comme les autres. C'est ça. Parce que Maléfique a disparu, ou du moins, pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'il fallait que. Pour que parce qu'on est sûr que c'est la fin. Hein, de oui, je pense. Sans parler du décès de Joss Cameron, bien sûr. C'est, ça sent vraiment la fin. Après, peut-être que la série animée 3D va continuer, mais je sais pas si elle s'était arrêtée. Ça avait pas trop bien marché. Je crois pas, c'était des tout petits épisodes, ça durait même pas 30 secondes. Donc, si les livres vont continuer. Je sais pas. Ah oui. Parce que il me semble que le livre L'île de l'oubli est sorti avant Descendant. Je sais plus, un abonné m'en avait parlé. Mais voilà, je réfléchis à si on a rien oublié de spécial. Je te laisse parler si t'as quelque chose. Non, bah voilà, pour résumer, c'est très sympa à regarder. Hein, si vous avez pas vu. enfin, si vous avez pas vu tout ce qu'on vient de vous dire, ça vous donnera. Oui. On a bien spoilé. Donc je pense que ceux qui en sont là, ils ont déjà tout vu. Voilà, notre ressenti, c'est que c'est plutôt sympa comme téléfilm. Ah, mais ça c'est sûr, nous on a bien rigolé, très bien, on rigole bien. On a pas eu de mal à se mettre. Et on se donne d'attache pour les personnages, quoi. Mais par contre, par rapport au 1 et au 2, c'est pareil, Jay et Carlos sont vraiment mis à part. Oui. On est vraiment plus du côté des filles. Ils ont mis Jay et Carlos, je pense, pour faire aussi s'intéresser les garçons à ça, mais sérieusement, on tourne que autour de Mal, Evie, Uma. En plus, ça fait, y a beaucoup trop de filles. Ça fait le trio de filles, ouais. Parce que le fait que le fils à Gaston, j'ai oublié son nom, et Harry, le fils à Crochet, ils apportent pas grand chose, c'est cool de les revoir, mais. Ils apportent pas grand chose, hein. C'est un peu des personnages loufoques. Bah, un peu comme les jumeaux à mouche, Célia et Uma. Célia Java. Et Java qui... Je pensais que Java allait avoir une importance beaucoup plus grande. Puisque dans le 2, à la fin... Au final, elle dort. Et elle dort tout le long du film, puisque Audrey les a... Mais sinon, Audrey, le personnage d'Audrey, est vraiment pas mal. Oui. Je sais pas si c'est la même actrice, parce qu'elle avait disparu dans le 2, mais ça a été génial. Aussi, toutes ses tenues, en fait, quand elle est normale, avec les cheveux à la fois bleus et à la fois roses, pour rappeler sa mère, et quand elle est méchante, qui est un personnage totalement inédit, quoi. Et où, justement, son pouvoir qu'elle utilise le plus, c'est d'endormir tout le monde en rapport avec sa mère, la Belle au bois dormant. J'ai trouvé que c'était des bonnes idées. Et je pense qu'il y avait le chaudron magique dans cette... Oui, il y a un moment, oui. Je suis quasi sûr d'avoir cette bien scène-là, reconnu. Quand elle chante toute seule, enfin quand elle se... Tout elle, est elle vole le cerf... Le sceptre. Le sceptre et la couronne. On voit un moment le chaudron. Enfin, on pense. ne pas avoir bien regardé, mais bon... Je pense que c'était... Il était petit, mais ça devait bien être ça. Et c'est pour ça que tout va vite, parce qu'elle rentre dans le musée comme ça. Et puis elle prend la couronne, allez hop, après elle se tourne et elle change de robe. c'est vrai que ça va un peu vite. Mais bon, ils ont condensé le truc pour pas que ça dure une heure et demie. Enfin, je pense que ça dure, mais... Oui. Mais de toute façon, c'est pas grave, tout passe bien, à part le fait que les deux garçons... Ils ont deux phrases et après Uma, Evie, en sachant qu'Evie elle est trop marrante parce qu'elle fait tout le temps la paix entre Uma et Maya qui s'engueulent comme des gamines. Et donc du coup nous on se dit oh là là c'est l'histoire de gamin, c'est un truc pour les gosses. Mais il y a Evie au milieu qui dit mais les filles arrêtez, du coup ça tempère. Ouais. Tu dis ah, ah. Mais non. Non, il est bien. Ouais, vraiment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je pense que c'est la dernière fois qu'on parlera de Descendant, là, dans la logique. Sauf si... Mais j'ai un doute. Je pense que ce sera un goûter Descendant. Peut-être. Hein. C'est vrai que sans Carlos... Mais ça, de toute façon, je pense que c'était prévu que ce soit terminé. Ça va être difficile. C'est la big happy ending. C'était indépendant de... Oui, non, mais c'est sûr. Il y a les titres remèdes qui arrivent. Il y a tous les gens, il y a les méchants qui dansent ensemble avec la farandole, avec le dragon. Que les ados. Ils parlent de leurs parents qui disent « Oh là là, quand ma mère va savoir que je vais être veto et tout. » Si, à la fin, là, il y a les parents des quatre qui les rejoignent. Il y a Monsieur Mouche, il y a Lady Tremède, donc la grand-mère de Java, et Professeur Facilier. Et voilà. Mais voilà, ça manque de... Pourquoi ils ont pas mis plus de méchants? Ouais, c'est ça, moi, c'est la petite déception. Il y a même Scar dedans. Oui, il y a pas Scar. Un masque de Scar. À la fin, quand il y a les méchants qui arrivent, les ados méchants qui arrivent, ils arrivent avec des pancartes et il y a Scar, il y a une coupe qui rappelle Hercule, il y a la lampe magique, enfin voilà, quoi, c'est... Mais ouais, moi, c'est la petite déception, mais vraiment toute petite, que j'aurais bien aimé qu'ils approfondissent un peu plus le côté méchant, mais des adultes, quoi, qu'on voit plus d'adultes méchants. Oui, parce qu'on sait que les quatre principaux sont... pourris au fond, mais ils sont gentils, enfin, ça passe quoi, en gros c'est des ados, voilà. Ils se cherchent. Maintenant ils ont entre 23 et 26 ans, je crois, les acteurs principaux, un truc comme ça, donc c'est sûr que...
Mais non, ça a été une belle petite série de films. Je serais pas contre un jour faire un petit marathon, regarder les trois. Ouais, regarder les trois, pourquoi pas. Mmh. Ouais, vraiment, ouais, vraiment sympa. Je pensais que certains personnages me sortiraient par les yeux, mais non, c'est assez bien équilibré. Quand ils sont cucu, c'est que c'est voulu. Quand ils ouais, sont... ouais, ouais, là, c'est pas. Mais voilà, les méchants sont pas vraiment méchants, quoi. On va voir Hadès, il fait pas peur, il est. Bah oui, moi, même il n'y a que peut-être Maléfique. Tout le monde regarde, et surtout pour les enfants. Il n'y a que peut-être Maléfique dans le premier. Ouais. Mais je m'en souviens plus trop. Mais tu vois, du coup, on la voit même plus après. Donc. Elle est en lézard et elle sent. C'est dommage, ils auraient pu. Mais bon, c'est pas grave, ça reste équilibré. Ça reste mal, aurait pu la garder dans une petite boîte avec elle tout le temps. Un petit truc. Ouais, ou un petit truc. Ça va, maman. Non, ouais, mais c'est sûr, il y aurait eu plein de trucs sympathiques. Mais voilà, à la fin, tout le monde est pardonné, tout le monde est gentil, personne n'a. Tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde est content. Et nous chantons gaiement, la terre et l'océan. Je suis malade. Bon, allez, voilà. On vous souhaite à bientôt. On vous souhaite à bientôt. Bisous. À bientôt.